Gloup, gloup. En tarton, les pompeux cornichons. La tête à tarte, par excellence, doit être arrogamment narcissique, doit se prendre tragiquement au sérieux et doit être très imbu de pouvoir, ce qui est le cas de la plupart de nos cibles. Comme je suis un très médiocre sportif, en balançant mes tartes, je pourrais rater la cible, même à moins d'un mètre. Ce qui fait que jamais je ne lance mes tartes, mais je les dépose directement sur le faciès de la victime pour être sûr de ne pas rater le coup. C'est une bonne règle. Une autre règle, c'est de ne jamais faire bobo physiquement à la victime, ne lui faire fort mal, oui, mais uniquement dans son ego surdimensionné, dans son amour propre. Une autre règle, c'est pour ne pas louper les opérations, c'est d'être plusieurs, voire beaucoup. Lors de nos derniers entartements de Bill Gates et Sarkozy à PPDA et BHL numéro 8, nous étions 25-30. Donc ça, nous encerclons la victime, nous sommes plus nombreux que les gardes du corps. Maintenant, avec BHL, il était bien entouré, mais très vite, les gardes du corps ont été conseillés de chantilly, ils n'avaient plus la moindre protection. C'est en fait très violent, mais c'est une violence purement symbolique. C'est la violence de Laurel et Hardy, des vieux films comiques muets, les slapstick, ou des cartoons avec Bugs Bunny. Une violence virtuelle, en quelque sorte. De même, ça relève du vrai de vrai terrorisme, mais c'est le terrorisme burlesque, le terrorisme des pieds nickelés.